Bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mirigame, j'espère que vous allez bien, moi je vais plutôt bien. On se retrouve pour une vidéo, une petite vidéo explicative pour le manque de vidéos sur la chaîne. On se retrouve donc sur Rayman Origins, voilà, c'est pour mettre un petit contenu en fond. Mais surtout aujourd'hui, l'objet de notre discussion les amis, ça va être plutôt de vous dire pourquoi j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait une vidéo sur LoL où je vous avais expliqué, enfin... juste le début où je vous avais dit ouais je vous expliquerai pourquoi il n'y a pas eu de vidéo machin, bah je vais vous le faire là. Donc c'est parti. Donc alors je joue en live hein, c'est pas un post commentary comme on pourrait dire, un post ouais je me pose si c'est comme ça qu'on dit mais bon. Alors Rayman Origin, donc il faut savoir déjà que c'est un de mes jeux pas favoris, comment je pourrais dire ça, que j'adore, voilà. C'est pas mon préféré mais c'est un jeu que j'adore. Il faut savoir que Rayman c'est un de mes... Enfin c'est un jeu où j'ai commencé à y jouer, déjà c'était sur GameCube. C'est sur Rayman 3 donc voilà ça date un peu. Mais bon, alors pour qu'il n'y ait pas eu de vidéo les amis, on commence tout de suite. Alors voyons voir. Ouais, attends, ouais, déjà ça, déjà, attendez, j'ai un petit problème parce que c'est le... Vous voyez c'est le truc glace, c'est la première fois que je joue sur un monde glace. Je sais pas encore le gameplay du monde glace. Il n'y a pas eu de vidéo les amis à cause d'un manque de motivation. Alors je m'explique. Il faut savoir que pendant les vacances d'été, déjà j'étais beaucoup pris. Enfin après je vous expose pas mes raisons. Quoi? Mais comment je me suis fait tuer? Mais c'est un truc de dingue. Non non non, attendez. Voilà, on recommence, c'est pas grave, tranquillou. Wouhou! Hop, voilà, nickel. J'ai eu un manque de motivation de par de l'avancement de la chaîne. Il faut savoir que la chaîne stagne un peu. Et c'est vrai que ça peut être de ma faute. Un petit peu. Je vais dire que c'est un peu de ma faute. Mais je vais dire aussi que voilà, j'ai pas. En fait, si vous voulez, là à ce moment même où je vous parle, j'ai 80 abonnés. Mais il faut savoir que ces 80 abonnés, c'est pas des abonnés actifs. Qu'est-ce que je parle par actif? C'est qu'il y a une. Dès que je poste une vidéo, ces abonnés ne la regardent pas directement, quoi. Ah, je vais mourir. Oh, je peux nager! Trop bien. Les abonnés actifs, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir une petite dizaine quoi, et c'est pas énorme. Pendant les vacances, donc j'ai mis des vidéos, sauf que les vidéos n'arrivaient pas à monter au-dessus de 10 vues. Vous croyez pas que ça me frustre très très beaucoup parce que ça fait un bon... Ça me fait du travail en fait. Il faut savoir aussi pendant les vacances, j'ai un petit problème d'internet. Ce qui fait que pour uploader une vidéo de 20 minutes, les gars, eh ben ça me met une journée, même peut-être plus. Juste pour l'upload, après en dehors du montage, du rendu, tout ça, voilà. Et tout ça, ça a fait que j'ai pas été motivé, du coup voilà, j'ai laissé aller. Et je m'en veux hein. Je m'en veux clairement de vous avoir laissé sans vidéo, mais comprenez-moi que c'est très frustrant de que mon travail ne paye pas quoi. Même si dans les vidéos je vous demande de laisser des j'aime, laisser des commentaires, de partager la vidéo et tout ça. Je le dis pas tout le temps parce que bon, il me semble bien, enfin ça me semble, je suis pas obligé de leur dire à chaque fois, vous êtes quand même des grands hein, vous savez quoi faire. Mais bon, c'est pas trop, c'est pas grave, c'est pas grave, il y a des bas et des hauts dans YouTube hein. Ça en fait partie, voilà. Après c'était pendant les vacances d'été donc vous étiez certainement pas tous présents sur YouTube quoi, vous étiez sûrement partis en vacances mais bon. Et là depuis quoi, depuis la reprise, depuis 2-3 jours. Bah écoutez, je vois que les vues recommencent à augmenter sur mes vidéos que j'ai faites il y a quoi, il y a un mois, 2 mois. Oula. Oh, c'est quoi cette fourchette? Stylé. Ah putain, elle me fait mal. Oh, la connasse. Vite, trouve-moi ça, toi. Voilà, très très bien. Des piranhas, super. Du piranha dans la limonade. Du jus de pastèque, je sais pas ce que c'est. Ils peuvent m'intégrer, c'est bon. Donc voilà, c'est pas... Ouais, ça m'a démotivé mais bon c'est pas grave, j'espère revenir très bientôt parce que bon là c'est la rentrée, le temps que je fasse que je prépare tout, ça va prendre un peu de temps. Prépare tout pas au niveau de YouTube hein, au niveau de ma vie personnelle. Alors je fais des pauses parce que je me gratte le nez hein. Voilà, très clairement. Ah, méchant. Ah, y a une pièce, je l'ai vue. Allez viens là toi. Merci. Alors faut que je fasse gaffe aussi parce que dans ce Rayman là il y a des niveaux cachés. What? C'est qui cette meuf? Laisse-moi sortir, sale bête! Ta-ta-da-da. T'inquiète pas, je vais te sauver, jeune demoiselle en détresse. Ah, je vais aller en bas. Quoi?
Ah merde, je peux pas. J'arrive. Cours. Rayman, s'il te plaît. Tata. J'adore la musique par contre aussi. Très bon, très jolie bande son. Putain, il y avait une pièce. Non, m'en fous, je veux la pièce. M'en fous, je veux la pièce et tout, voilà, c'est dit. Je suis comme je suis dans le niveau avec vous, hein. Voilà, je vous ai dit pourquoi j'étais... J'avais pas mis de vidéo, mais c'est... Comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous mettiez des gemmes. J'ai besoin que vous en parliez à vos amis, à votre famille, à tous vos proches, quoi. Putain, je me suis encore fait couillonner, merde. Mais comment je fais pour y aller, merde. Je suis pas concentré, fais chier. Allez, là, c'est la bonne. Faut que je trouve le bon endroit pour monter. Oui, allez, blablabla, oui, oh là là, c'est pas bien. Enfin, bon, la meuf aussi, elle est enfermée dans un truc comme ça. Alors là, on va... Ok, là, c'est bon. Ah oui, d'accord, très bien. Ok, c'est bon. Voilà, très bien. La glace, ça me ralentit de malade. Hein. Hop là, 25 pièces en plus, ou 50. Je crois que c'est 50, je suis pas sûr. Allez, c'est bon, là, viens là, putain. C'est bon. Ah la pute. Allez. Mais crotte de bique. C'est une fée hein, qui est dedans. Pourquoi il est tout petit? Stylé. Oh, oh oui oui. Ah la... Attention ça descend. Ouais c'est pas grave hein, les autres rouges là on s'en fout. Et eh ben voilà. Attendez regarde, attendez. Hey, on me la fait pas à moi. Ah la pièce. Ah là nickel c'est bon. Allez viens là toi. Fais chier. Mais comment il fait? Comment il fait pour aller dans le petit trou? Viens là. Ah là. Poum. Oh putain les pastèques. Voilà il y a aussi des melons hein. Lol. C'est pas marrant. Je tourne, il est 1h30 du mat. Donc laissez moi délirer un petit peu quoi. Glisse toi dans une faille ou un. Voilà, pour changer de taille. Genre là je peux... Non, je peux faire comme elle, je peux venir tout petit. Ah ça c'est bien. Voilà, alors attendez, on va voir s'il n'y a pas un truc en haut. Non, il n'y a rien. Ah, il y a des niveaux cachés, je vous l'avais dit. Voilà, c'est cool. Normalement il y a deux niveaux cachés par... What? Des ennemis. Nickel. Le jeu est gratuit au fait, hein. Sur Uplay. C'est une plateforme de téléchargement. Vous pouvez y jouer gratos. Donc faites-vous plaisir. Ça fait plaisir. On va voir si j'ai assez de... Non, d'accord, très bien. Je pensais déjà que c'est la fin du niveau. Je suis complètement à côté de la plaque. Ah, c'est qui lui? C'est qui eux? On se calme. Calmez-vous. Calmez-vous. Oh, regardez, je peux faire des... Toon. Ah le cœur, il peut me donner 5. Voilà c'est bon. Regardez, hop là. Heureusement je suis petit parce que je crois que si j'aurais été grand le parapluie se serait cassé. Oh là, je la veux. M'en fous, je la veux. Voilà, je l'ai eu, m'en fous, je l'ai eu. Alors. Le plus fort c'est MeoGame. Gauche, droite, c'est mon nickel. Ah c'est ça le truc. Ouais, ok. What? S'il te plaît. Non mais je... Non. Ils m'ont mangé. Oh non. Je vais devoir commencer depuis tout le début. Ah non ça va. Si depuis tout le début. Ah ils me font chier. Allez là on ne tarde pas. Je connais le niveau maintenant. On peut y aller tranquillement. Et je voudrais... Ah ouais. Je voudrais quand même faire avec vous un truc spécial dans ce Rayman là. Mais putain de pote. Je rage. Pouh. On va se calmer. Je devrais rager encore plus hein, pour ce que je vais vous faire après, après la fin de ce niveau là. Ça s'appelle le coffre à pâtes. Croyez-moi, c'est la chose la plus horrible dans le jeu. Allez, on y va. C'est bon. Toi là, bah voilà, la pièce. Vite, dépêche-toi, sinon tu vas te faire encore couillonner. Oh, oh stop. Oh, c'est trop bien. J'ai un cœur. Bien, j'ai deux vies. Je peux me faire toucher une fois. Pourquoi je peux pas? Ouais, mais je comprends pas. Bon, fuck pour les autres, hein. On s'en fout. Toi mon petit gars. Ok, bah go. Oh, je suis tout petit. Attention, on rebondit. Comment je fais ça? Mais non, mais comment je fais ça? Mais je peux voir... Mais... What the fuck?
Attendez, il faut que je comprenne un peu le truc là. Parce que je veux bien la pièce là, ouais, très bien. Et si j'essaie par en dessous? Ouais, non. Ok, si je sais peut-être comment faire. Faut pas que je touche les parois, c'est tout ça. Tout simplement. Donc là, voilà. Hop. Et là, regardez. Je fais comme ça. Et là, voilà, très bien. Je suis le meilleur, je comprends vite fait. Boum, boum. Et toi, le gros ventre là? Faut que je change de taille. Comment faire? Attendez, sinon j'ai cette attaque là, mais... Ah oui, d'accord, très bien. Ok. Il y a quoi en bas? C'est pas... Wow. Oh, bim! Niveau caché, il est pour moi. Ah, dans le noir, stylé. Eh non, mais les fourchettes comme ça, mais les créateurs du jeu, ils ont fumé, je crois. Ah! Mais quoi, mais genre... Sale connard. Méchant. Bébé, voilà. En plus, ça parle, quoi. Des fourchettes de pipelettes. Ouais, super. Nice. On change de forme. Une cage d'Electoons. Les trucs gros, ça s'appelle des Electoons, les amis. Et les trucs jaunes qu'on ramasse, ça s'appelle des... Des Looms. Je crois que ça s'appelle des Looms. Ouais, ça s'appelle des Looms. Par contre, pour remonter, je fais comment? Ah bah oui, tout simplement. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Toujours plus petit les plateformes. Oh, attendez. Ouais, non. Allez là! On a un cœur, l'autre qu'est-ce qu'il va me donner? Ah vite! Voilà, nickel. Ah bon, on est à la fin du niveau, ça y est. Dernière cage. Allez hop. Hop, toi tu crèves et boum, double. Et la cage, elle est à moi. Voilà, 3 cages. Alors, on a 369, vous voyez en gauche de l'UMS. Et je crois qu'au bout de... Je crois qu'on a réussi à... Attendez. 150, 350... Ouais, j'ai deux électrons en plus. Plus la médaille. Voilà, vous allez voir, il y a un petit truc spécial à la médaille. Vous allez voir, c'est assez cool. C'est très très cool. Le temps que ça monte, hein, bien sûr, parce que j'ai tellement de looms que voilà. Il faut que le jeu se mette à mon niveau. Attention. Voilà, tout simplement. C'était la petite musique de la victoire. Et j'ai chanté comme une merde, mais c'est pas grave. Oh, très très bien. Palais des glaces. Allez hop. 54, 55, 56, 21. Voilà, nickel. Regarde, un nouveau personnage est débloqué dans l'arbre en fleurs. Oui, mais c'est, on s'en fout. Très bien, mais moi je veux vous montrer autre chose, les amis. Alors, c'est quoi le nom du niveau d'après là? Dérapage contrôlé, voilà. Mais moi je veux. Ah, très bien. Je suis retourné dans le truc des personnages. Bah, je prends le normal, le Rayman basique. Y a quoi à droite? Ah, j'ai débloqué celui-là. Ah, elle est moche! Oh, stylé. Mais non, je vais prendre le Rayman. Je préfère le Rayman, c'est plus emblématique, c'est... Voilà. Ou le Globox. Ah, je sais pas, attendez. Oh, bah, c'est okay. Il parle pas français, ça c'est dommage. Non, par contre... Je vais vous montrer le coffre à pâtes. Ah, qu'est-ce que c'est un coffre à pâtes? Comment on fait pour retourner dans... C'est ça? Ouais, nickel. Hop, on va retourner là où il y a le point d'exclamation. Hop, on va aller dans le désert. Et ça risque d'être hyper dur. C'est les niveaux les plus durs. Les Electoons peuvent maintenant ouvrir la voie. Voilà. Coffre à pattes, je suis là. Fugue, cacophonique, on y arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on gagne un... Enfin, quand on va jusqu'au bout du niveau. En fait, on doit suivre un coffre à pattes, les amis. Au bout... Et dans le coffre à pattes, c'est un coffre, en fait. Voilà. C'est un peu débile, mais c'est pas grave. Il y a une dent de la mort. Et on va devoir le remettre à un bonhomme. C'est parti. Et tout ça sans speedrun, bien sûr. Donc voilà, speedrun, j'arrive! Go! Allez, go! Voilà, pour l'instant, je m'en sors plutôt. Putain, pourquoi je fous ma gueule? Oh, ça m'apprendra, c'est pas grave. Allez, allez, cours, 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 cours. Je peux voler aussi, mais voler, je crois que ça me ralentit. Ok, il pleut, il y a du sable, il y a du vent. Oh, je suis dans la merde. Allez, 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 allez.
Bah je m'en sors plutôt bien. Ah je m'en sors plutôt très bien. Oh je suis déjà à la fin. Oh les amis, je vous promets le premier coffre à pâte que j'ai fait il était archi dur. Oh je suis trop bien. Oh la classe. Oh la classe. Oh bah voilà. Bah voilà, la vidéo sera courte mais intense. Oh c'est cool, sans fail. Bon je me suis pris un pic mais voilà. Hop, deuxième dent de la mort. Voilà je l'ai. Du coup on va retrouver à l'arbre ronfleur. Et on va lui donner. Voilà. Bam. Ok cool. On va revenir au menu principal. Et on va pouvoir se laisser là. Alors hop, on fait rond. Et on va. On va rester là les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Donc tout ce que je vous dis dans cette vidéo, ça tient jusqu'à la fin. Hein, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et à partager la vidéo et à en faire parler à tous vos amis et à tous vos proches. Pour leur dire d'aller voir la chaîne et de leur demander s'ils peuvent s'abonner. Ça ferait très plaisir parce qu'on a 80 abonnés, ce serait super qu'on arrive à 100. Mais bon, calmos, calmos, on a tout notre temps. Donc les amis, je vous laisse sur cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, la suite des let's play va reprendre. Tout doucement mais sûrement. Je vous laisse ici. Bye tout le monde. C'était MeoGame. Prenez soin de vous. Ciao.